Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 8, versets 28 à 34. En ce temps-là, comme Jésus arrivait sur l'autre rive, dans le pays des Gadaréniens, deux possédés sortirent d'entre les tombes à sa rencontre. Ils étaient si agressifs que personne ne pouvait passer par ce chemin. Et voilà qu'ils se mirent à crier : « Que nous veux-tu, Fils de Dieu ? Es-tu venu nous tourmenter avant le moment fixé ?» Or, il y avait au loin un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Les démons suppliaient Jésus : « Si tu nous expulses, envoie-nous dans le troupeau de porcs. » Il leur répondit : « Allez. » Il sortit et s'en allèrent dans les porcs. Et voilà que, du haut de la falaise, tout le troupeau se précipita dans la mer, et les porcs moururent dans les flots. Les gardiens prirent la fuite et s'en allèrent dans la ville annoncer tout cela, et en particulier ce qui était arrivé aux possédés. Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Et lorsqu'ils le virent, les gens le supplièrent de partir de leur territoire. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous sommes mercredi 30 juin. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour et pour sa parole qui nous donne la lumière de l'esprit pour la comprendre, pour professer notre foi et pour grandir avec lui sur le chemin de la paix. Aujourd'hui donc, 30 juin, nous voyons le texte qui nous présente deux possédés qui sortent à la rencontre de Jésus. D'abord, la première question qui me vient à l'esprit, c'est qui crie ici ? Ce sont les possédés. Ce n'est pas Jésus qui crie, ce n'est pas non plus ses disciples. Alors quand vous allez dans vos campagnes, dans vos choses-là, ouvrez bien les yeux pour regarder. Qui crie ? C'est Jésus, c'est son serviteur ou bien c'est les démons qui crient ? En tout cas, faites attention à ne pas tomber dans le piège de changer de rôle. Ensuite, il y a un temps. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour que l'esprit et les esprits disent nous tourmenter avant que le moment fixé. Il y a un moment pour cela. Et nous pouvons peut-être attendre ce moment-là. Seulement que Jésus n'attend pas. Parce que lui, il est pressé par le salut de l'homme. Il ne peut pas voir deux hommes en train de souffrir et ne pas agir. Alors il devait choisir. Il devait choisir entre les porcs et les hommes. Il choisit les hommes. Et donc il envoie les démons dans les porcs. Faisons la parenthèse. Ces porcs-là sont précipités dans la falaise et puis sont tous morts. Où sont les esprits ? Les esprits sont morts ? Voilà la question. Souvent, nous faisons beaucoup de bruit et je ne sais pas vraiment ce que nous cherchons. De toutes les façons, Jésus a préféré libérer les hommes. Qu'est-ce que les esprits-là deviennent ? Bon, tant pis pour eux. Et que deviennent les porcs ? Ce n'est pas important pour Jésus. Les gens qui ont été témoins de tel événement courent au village et racontent cela. Et quand je lis au début, je fais comme si je ne savais pas la suite. Lorsque les gardiens annoncent ce qui s'est passé, on dit « Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. » Je pensais qu'ils allaient sortir pour glorifier Dieu pour ce qu'il a fait en libérant deux hommes. Mais le texte dit « Et lorsqu'ils le virent, les gens le suppliaient de partir de leur territoire. » Voilà. Jésus avait le choix entre deux hommes et les porcs. Il a préféré les hommes. Le village, toute la ville, avait le choix entre les porcs et deux hommes. Ils ont préféré les porcs. C'est pour cela qu'ils disent à Jésus de partir. Vous voyez ? Donc souvent, notre vie, là, elle est contradictoire. Il faut que nous sachions qu'est-ce qui est important. Nous manquons d'échelle de valeur. Alors nous donnons plus d'importance à des choses au lieu de donner d'importance à Dieu lui-même d'abord et à l'homme. Dieu est venu vous visiter, vous ne l'avez pas reconnu. Voilà, que le Seigneur vraiment ouvre nos yeux à la réalité pour que nous sachions discerner sa révélation, sa place, ses paroles, ses actes, ses interpellations. C'est cela qui va nous aider à grandir. Soyons attentifs pour ne pas chasser Jésus de notre vie. Mais surtout, ne confondons pas. Quand il y a un démon et il y a Jésus, c'est le démon qui crie, ce n'est pas Jésus qui crie. Le démon, il crie, il fuit devant lui. Et quand nous avons chassé un démon, il n'est pas mort. Chasser ne veut pas dire mort. Donc si nous ne prenons pas nos dispositions, Jésus nous a dit, il revient avec sept démons plus forts que lui. Que Dieu nous garde dans sa paix et nous éloigne du malheur, lui qui est vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.